Merci beaucoup. Sous la direction de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons commencé cette réunion par un examen de la situation du contexte économique international. Et à ce sujet, on a noté que les prix des principaux produits d'exportation ont baissé sur le marché international, mais en même temps, le prix des produits pétroliers ont augmenté. En ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, l'inflation s'est située à 2,9% cumulé annuel et en glissement annuel, il est projeté à, il s'est situé à 15,6%. Et on note aussi la projection d'un taux d'inflation de 9,7% à fin exercice pour 2023 contre des projections, une projection de l'ordre de 8,3% retenue dans le cadre du programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. En ce qui concerne le taux d'échange, on note une légère dépréciation du franc congolais avec au marché officiel un taux de 2,035 comparativement à la semaine précédente où le franc congolais s'est changé à 2,032. Alors enfin pour ce qui est de réserve d'échange, on note une légère dépréciation de l'ordre de 0,25% et ces réserves se situent à 4,330,72 millions de dollars, soit 10 semaines d'importation des biens et des services. La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter le dossier concernant l'homologation du stade de Martyr. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain.